Yo tout le monde, c'est avec beaucoup de chagrin qu'on commence cette vidéo. Voilà, faut le savoir, c'est avec la thématique du chagrin. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps on n'a pas fait le rush ladder et tout, trop bien, 30 minutes, rush ladder, c'est parti. Et après 20 minutes d'enregistrement, je regarde et en fait il est tout pété le son était tout pété sur l'enregistrement. Du coup on a fait 20 minutes de rush plus ou moins dans le vent, en tout cas on était à 6020, on a fait 6207, on a fait 187 trophées, on était trop contents. Et pour au final voir que l'enregistrement s'était pas très bien passé. Du coup ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est un, au final on va servir de ça, dire ok on a eu un souci, on va le transformer en un truc sympa. C'est que du coup on va aller voir les replays rapidement et on va essayer de voir un petit peu les stratégies, les trucs qu'on aurait pu faire mieux et comment ça s'est passé. Ce qui va nous permettre simplement d'apprendre. Une fois qu'on a parcouru rapidement ces replays là, on finit les 10 minutes en live ensemble et du coup au final on aura une format un peu apprentissage et un format un petit peu simplement live. C'est parti. Donc on a pu lancer 7 parties. 7 parties qui nous ont fait... Ah ben t'es même à 5999. On est passé de 5999 à 6207, on a juste pas perdu d'affilée, donc c'était juste la folie. Et j'aimerais bien revenir un petit peu sur les matchs qui étaient intéressants. Bon là, le celui tout en bas, on a mis 3-0, mais quand vous regardez son deck, il a séisme plus split flèche contre mon deck. Bon, c'est deux cartes qui lui serviront à rien, même il a pas très bien joué, mais même s'il jouait bien, il aurait forcément perdu, le match-up était très compliqué pour lui. Le second match, on est sur du mini PK sorcier-sorcière. Là, on a beaucoup utilisé tout ce qui va être tornade, etc. pour réussir à lui mettre de la pression. Mais c'est pas un match évident. Je vous propose d'aller voir rapidement déjà ce match. Et ensuite, on va enchaîner sur les autres matchs. Et vous allez voir rapidement un peu comment s'est passé le rush ladder. Donc là, on va pouvoir le mettre en beaucoup plus rapide. C'est ça qui va être cool. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a la sorcière. Au lieu de mettre foudre, on met juste mes dragons. On attend un peu de voir ce qu'il fait. On recycle notre prince ténébreux. Ici, on voit que... il avait moins d'élex, donc on se dit, bah ok, on balance un bûcheron. Cependant, il lance son sorcier en même temps. Là, il remet une Valkyrie. Là, je vais mettre en x2, ce sera mieux. Il remet une Valkyrie. Donc là, on sait qu'on a un gros avantage en élixir. On se dit, ok, là, on a 3-4 d'avance. On est bien. Et là, je vois en plus qu'il zappe la MG au lieu d'accepter le coup. Tant vous dire que là, c'est fini, quoi. Donc nous, on peut tornade lui. Et là, on se retrouve avec autant d'élixir, mais avec un golem sur le terrain. Alors certes, on est en x1, c'est un peu moins efficace, mais quand même. Et au final, au lieu de mettre la foudre, parce qu'on aurait toujours les squelettes qui ont fait super mal au golem, etc. Le mieux, c'est de partir avec nos unités de zone. Là, on envoie bébé dragon, prince ténébreux, deux unités très puissantes. La BPK est focus sur le golem, quand il va exploser, il va tuer tout le monde. Et là, c'est fini, il a plus rien, il a plus d'élex. On sait qu'il veut de remettre un sorcier. On prépare à le foudre direct, on le foudre, mais au final, bon, c'était pas si value que ça. Et derrière, on va juste faire de la défense. Ça se passerait bien, on a beaucoup utilisé l'avantage en élixir, partir sur un gagnant x1, et il a fait l'erreur de faire un petit zap. L'autre match, du coup, c'était contre un match-up qui n'est pas forcément si simple que ça. Du zappi, sorcier, bourreau, cochon, mégalite. Clairement, quand t'es en golem, t'es pas très content de voir ni bourreau ni zappi, hein, deux cartes qui sont très compliquées à gérer. Et cette version-là, on joue la foudre. Donc, je m'étais dit, on vient avec deux versions, je vais vous les remontrer après. Une version qui est comme ça avec la foudre, et l'autre version qui est avec l'électro-dragon. Et je lui dis, on va tester un petit peu la méta, parce que le principe, justement, quand vous jouez à Clash Royale, et surtout en ladder, si vous pouvez jouer plusieurs decks, c'est d'aller voir un peu la méta, et d'adapter votre deck en fonction de la méta pour avoir le meilleur taux de réussite possible. C'est ça qui est important, c'est de pas juste garder le même deck, mais c'est s'adapter en fonction de la méta et prendre ce qui fonctionne bien. Bon, ici, du coup, il avait pas joué en x1, donc je vous passe un peu cette partie-là, on arrivera directement en x2. Et on arrive, du coup, dans le début de la partie. Nous, on pose un golem, simplement, on arrive en x2. Il répond avec Zappi. Et là, il va faire... Donc, nous, ce qui est très important, c'est de bien toujours recycler que quand vous êtes à 9 tirs d'élixir pour toujours pouvoir faire une foudre. C'est vraiment ce qu'il y a de super important. Contre Zappi, mais même globalement, quand vous faites votre premier page golem. Donc vous ne posez pas vos unités cash, vous attendez d'être à 10 et vous posez ensuite vos unités. Ce qui vous laisse un panel de jeu beaucoup plus de possibilités. Ici au final il pose un électro-sorcier, donc là c'est la value sur la foudre de foot sur l'électro-sorcier plus tapis qu'il reset, etc. C'est juste fini, là à partir de là on peut juste mourir. Et c'est gagné juste parce qu'en fait on a mis une bonne foudre et on a bien gardé l'élixir pour foudre et il a fait l'erreur de mettre un électro-sorcier en plus. Donc ça c'est validé le match là. Ensuite, on est sur un match, mais alors celui-là il est... Il est limite ingagnable, il est horrible. Le joueur jouait bien et le match-up est complètement... Vous allez vite voir, hein. Vous allez vite voir, hein. Même franchement, même en x1, il est... Je vous jure, ce match, j'étais à fond de jouer parce que c'est tellement dur. Alors, on va juste, j'arrive juste au début de la partie en x2, voilà. Donc il pose une première fournaise.
peut me garder un peu en x2. Je me rate un peu sur les squelettes, il faut attendre qu'il y en ait déjà un qui explose, c'est pas très grave, bon, on se prend un coup d'esprit de feu. Donc là, ma seule option que j'avais en main, j'avais pas le B-Dragon, c'était de mettre un prince ténébreux, sinon c'était bûcheron ou MG, mais ça marchait vraiment pas. Donc là, on va défendre après avec le B-Dragon. Il part directement à droite en double pression, mineur gang de gobelins, donc déjà, il faut aller assez vite hein, pour répondre là-dessus. On décide de mettre un bûcheron sur les gobelins, on doit mettre une MG pour défendre son mineur. Cependant, il y a déjà une fournaise sur le terrain, elle nous embête à fond, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va en user et abuser, il repose une fournaise qui va lui permettre de défendre sans se prendre de coups ma prochaine MG. Et là on se retrouve avec 7, 8 d'Elex, il a déjà 2 fournées sur le terrain, on est en x1, on sait que ça va être galère, donc cette fois-ci on met les squelettes un petit peu derrière, on les met au bon moment, ok, donc là ça tempo justement les squelettes, très bien. À gauche on sait qu'on va devoir se reprendre les coups de squelette, à droite aussi, mais on n'a pas tellement le choix, parce que ça fait trop de value cette carte, c'est hallucinant. Donc on a juste notre prince ténébreux, on sait qu'il va le bloquer avec le chevalier, on se doute en tout cas, mais on se dit ok, on va quand même faire une value, on va tuer la fournaise, on va tuer machin, ça se passera bien. Là on se doute qu'il va renvoyer un mineur. C'est ce que je me disais à ce moment-là, je me dis bon, il va sur mon mineur. Il mineur, mais du coup, il le met derrière, et là, j'ai vu que j'avais 7 dead X. Du coup, ce qui est très important, c'est, ok, je fais le calcul rapide, je me dis, ok, s'il renvoie le gang de gobelins, moi, je suis à 7 dead X. S'il met le mineur derrière, il se prend une tornade instant sur le mineur, et on peut gérer le gang. Ce qui nous permet, malgré que le matchup est vraiment très compliqué, de remonter un peu doucement, c'est-à-dire que là, du coup, on active le roi, et c'est un peu moins galère. Il repose une fournaise, et on en a marre quoi des fournaises, on en a vraiment marre. On met le B-Dragon, on sait très bien qu'il va vouloir potentiellement y défendre. Il recycle pour l'instant juste une princesse. Et voilà, donc il recycle la princesse pour remettre le chevalier qui va tempo, la fournaise qui a encore plein de points de vie. Moi je peux toujours pas partir offensivement. Si je pars offensivement à ce moment-là, c'est juste fini. Là pareil, vous l'avez vu, il a la horde. Et moi je savais pas qu'il avait la horde à ce moment-là. Et j'ai pas mon B-Dragon en main. Et voilà, là il pose la horde. Et je suis en mode. Faut que j'ai tempo au squelette, faut que je recycle à tout prix rapidement mon B-Dragon. Heureusement que j'ai joué les squelettes et que ça m'a permis de recycler dessus. Mais c'est en mode, oh là là. Et regardez, on a toujours pas touché ces bâtiments. Il a encore la fournaise, il a une deuxième fournaise sur le terrain, il a la princesse, il a l'opportunité des attaques. Si je pose golem, c'est forcément galère. Là, je savais très bien qu'il est parti offensivement en posant golem. Alors j'ai préparé directement mon prince ténébreux, mais vous avez vu, malgré ça, le golem il prend super cher. On a une grosse agression chez nous, il repose encore une autre fournaise. Enfin, clairement, il nous fait du spam fournaise sur son deck, c'est vraiment horrible. Je vous recommande pas de tomber contre lui, hein. C'est le pire des joueurs à rencontrer en ladder. On met une petite tornade histoire de refaire passer la princesse devant, mais il a déjà recyclé la horde qu'il peut remettre derrière. Il renvoie le chevalier pour envoyer un push, il a son mineur qui est revenu en main. C'est juste la misère. On est obligé de re-recycler le plus rapidement possible le dragon, mais on sait très bien qu'on va prendre un tarif ici. Hein. Le dragon, il va malheureusement se faire exploser, la boule de feu qui nous rajoute encore quelques dégâts. Heureusement, on a le roi qui est activé, mais là, on est vraiment en pleine galère. Il repose une fournaise, et vous avez vu, on peut toujours pas le toucher, quoi. Donc, genre, vraiment, c'était la PLS ultime. Hein. Donc là, je me dis, ok, là, il faut vraiment que je repose un golem. Tant pis si j'ai pas de point de vie, si je pose pas un golem maintenant, la partie est perdue. Donc ce que je fais, c'est que je pose un golem devant. Ce qui va permettre de tanker derrière ses troupes. Je sais très bien que je vais pouvoir recycler un B-Dragon en mettant les petits squelettes. Donc je recycle le plus rapidement possible mon B-Dragon. Le mineur se fait taper par le roi, donc j'insiste pas. Je sais que le B-Dragon va lui remettre des dégâts. Là, je vois que je suis à portée de boules de feu. Donc ma seule solution, c'est d'aller le plus rapidement possible. Donc je vais choisir l'option bûcheron qui nous permet d'avoir la rage. Et d'après, mettre le prince ténébreux dessus. Là, il met une fournaise, mais du coup, on peut quand même mettre beaucoup de dégâts. On recycle nos squelettes. Notre but, ça va vraiment être de mettre un maximum de pression. Là, il doit recycler encore une carte avant de récupérer sa boule de feu. On a le prince ténébreux qui est connecté grâce à la rage sur le bâtiment. Il n'a pas le temps de recycler la boule de feu. Et ça passe, mais c'était tellement chaud, c'était super, super dur. Et du coup, fallait vraiment partir en golem à ce moment-là. Quitte à plus avoir d'HP, il fallait le faire. Ensuite, on est sur, encore une fois, un autre match-up très compliqué. On est sur du bait TDE, tornade, sauf que là, je joue pas le fil barbare, j'ai pas d'option comme ça, j'ai que la tornade. Du coup, ce qui est très important dans ce match-up, que j'ai expliqué quand on était dessus, mais du coup, je vous l'explique en replay, quand vous voyez que c'est du bait, c'est d'activer le roi. J'ai deux solutions pour activer le roi sur ce match-up. J'ai soit la tornade s'il le met pas dans le coin opposé extérieur à la tour, donc s'il le met pas au niveau du bûcheron ou au niveau du bûcheron sur la tour opposée, ou alors s'il met le fût vraiment derrière, je peux mettre juste des petits squelettes derrière au niveau du roi, ça va venir les tuer et après ça va activer le roi. C'est mes deux options que j'ai. Mais donc s'il met toujours des fûts sur l'extérieur, je ne pourrai pas. Simplement, je ne pourrai pas. Donc là, il décide de remettre une petite bûche pour aller gratter tranquillement. Je vais passer en x2 parce que c'est beaucoup d'attaques défense. Hein. Le golem dans ce match-up, c'est tu défends pendant les deux premières minutes et après tu vois ce qui se passe. Donc B-Dragon, évidemment, pour aller chercher la princesse. Je savais qu'il allait remettre son chevalier, mais je m'en fiche un peu. Là, j'active justement le roi. Ça, c'est le moment très important de la game. Et là,
C'est un moment où j'hésitais beaucoup à golem ou pas. Vous avez vu, j'ai 6 d'avance en Alex, mais une princesse de l'autre côté. Et je me suis dit, bon. À quoi bon? Est-ce que j'ai envie de trop ça? Il est à T2, il va pouvoir faire de la bête du, il va pouvoir nous mettre des pêches, des dégâts. Je me suis dit non. Là pareil, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je golem? Parce que golem, j'avais très envie de le faire. C'est pour ça que j'ai recyclé une MG fond de map. Mais je me suis dit, bon, non, tant pis. Je leak. J'ai 4 d'avance, mais c'est pas grave. Je vais leaker. Je vais leak l'élixir, je vais attendre. Donc là, on remet juste un bûcheron, on défend avec le dragon. On sait qu'on prend quelques dégâts, mais vraiment, c'est pas très grave. Et là, on voit la T2 qui est claquée. On arrive dans le x2. Et c'est le moment où on peut enfin partir offensivement. Donc là, on pose notre golem, tranquillement. On sait qu'il va devoir recycler une nouvelle T2. Derrière nous, on a juste à se défendre au prince ténébreux, parce qu'on sait très bien qu'il va devoir mettre plus de cartes. Là, il a mis princesse, il a mis bûche, il a mis fût. Nous, on garde bien l'élixir pour la foudre, c'est vraiment super important. À partir du moment où on met une bonne foudre, on fait gaffe à pas donner de value rocket, donc on espace bien nos troupes. Comme ça, il peut pas faire de value rocket, on les met bien. Vous avez vu, on attend, on fait un gros espace entre nos troupes, on sait qu'on peut prendre la tour là-dessus, qui va galérer à défendre. Et au final, ça se passe bien. Le clé, c'était vraiment d'attendre bien le bon moment pour poser le golem, et surtout d'aller activer le roi. Ensuite, on avait un replay contre un match-up super compliqué aussi, du bourreau-cochon Valk, très 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 compliqué, vous allez voir. Déjà là, il envoie son cochon, et nous... Et nous, on n'a pas la tornade en main de départ, ni en cinquième carte. Du coup, on ne peut pas activer notre roi. Donc déjà, la main de départ ne nous aide pas. Il nous met un coup de cochon, il nous force à mettre beaucoup d'élixir. Il peut se redéfendre chez lui. Enfin, déjà, ça commence à être galère. Heureusement, la MG va pouvoir tomber la Valkyrie, ou du moins presque tomber la Valkyrie. Non, c'est bon, elle tombe la Valkyrie. Remet un coup bomber. J'étais pas sûr. Du coup, j'ai claqué le dragon, mais du coup, c'était une erreur. J'aurais pas dû. Mais là, il a deux trucs très compliqués. Il a trois trucs durs. Tout ce qu'il a en main là, à part Zap, c'est super dur. Et Bourreau, c'est chaud de jouer contre. Horde, c'est très compliqué en golem. Et Barbare, c'est pareil, c'est super compliqué. Il vous faut à tout prix bébé dragon et tornade pour réussir à gérer tout ça. Ça coûte vraiment très cher. Donc là, on va juste défendre nos bûcherons. On sait qu'on l'aura pas après le prochain cochon, mais on sait qu'à ce moment-là, on aura la tornade. Sauf que là, il renvoie directement la horde et son cochon. Donc je suis obligé de mettre une tornade tout de suite maintenant pour les tempos et de remettre après une MG et un prince ténébreux pour limiter les dégâts qu'il va nous mettre. Mais cependant, on va quand même se prendre deux coups, ce qui... enfin un coup de cochon, pardon. Mais ce qui nous coûte assez cher parce que lui, il va pouvoir se redéfendre du prince ténébreux et il va devoir nous reforcer justement une autre réponse. Là, il répond à la Valkyrie. À ce moment-là, on se dit, ok, il faudra pas mettre le bébé dragon parce qu'on a besoin pour la horde. C'est notre seule réponse contre la horde. On n'a pas de poison, on n'a pas de boule de feu ici. On a que bébé dragon et tornade. Sachant que tornade tout seul, ça marche pas. Il faut à tout prix bébé dragon pour gérer la horde. Et c'est ça qui est vraiment dur dans le match-up, c'est vraiment faire gaffe à ça. Et lui, il peut très bien nous mettre des pêches de l'autre côté et nous forcer un bébé dragon avec les barbares ou autres. C'est très très compliqué. Du coup, là, bah, on n'a pas trop envie de faire ça, mais on retire quand même le bûcheron. On voit qu'il y a un bourreau là, du coup on se dit ok, bon là on foudre à l'instant. Comme ça au final, même si on est un tout petit peu derrière un Alex, on prend pas si cher que ça. On arrive dans le x2, on a pris quelques dégâts, mais clairement ça aurait pu être pire. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on sait très bien qu'il va récupérer son cochon, sa horde, etc. Donc on voulait pas poser le golem, mais au final, vu qu'il recycle sa horde, on se dit bah simplement, je pose golem fond de map, je recycle avec un bébé dragon derrière. Je remets une tornade sur tout le monde, et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus, on met tout le monde au milieu, il y a les tours qui vont taper, le cochon vient se prendre le tarif, on remet les squelettes, il met 0 dégâts, et là, on se dit, ok, on est quand même vraiment pas trop mal dans la partie. Donc là, on attend qu'il nous donne une value sur la foudre. Voilà, là, il nous donne une value, donc là, on prend la prend. J'ai pris la tour, mais j'aurais dû prendre juste les unités à droite, hein, c'est une petite erreur de ma part. C'est pas très grave, là, le golem, il va mettre quelques dégâts de zone. On a mis le prince ténébreux, mais qui va pas servir à grand chose, hein. Malheureusement, ça va se faire reboot. Hein. Là, on a découvert qu'il est barbare. Avant, on savait pas qu'il est barbare. Donc, on a réussi à mettre quelques dégâts, mais on sait que la défense va être galère. J'attendais qu'il repose la horde, donc là, c'est bon, il a reposé la horde. Cependant, vu que j'ai mis le bûcheron, bah. C'était pas ouf. Là, j'aurais dû tornade, hein. J'ai pas tornade, c'était une erreur. Alors, je m'étais dit, bon, je vais pas prendre grand chose. Au final, je me suis pris un coup de bomber. Donc, un coup de bomber contre une tornade. Voilà, voilà ce qui a été échangé à peu près. Là, je sais très bien qu'il, même s'il renvoie son cochon, il ne prendra pas la tour. Et qu'il, moi, il faut pas que je joue à son jeu, il faut également que je puisse push. Du coup, ce que je décide de faire, c'est un bourreau, pardon, un prince ténébreux directement sur le bourreau. On défend avec le moins d'élixir possible son cochon. C'est-à-dire squelette plus MG, mais vous avez vu, on a déjà pris cher. Hein. Et en plus, il joue roquette dans sa main, donc ça peut aller très très vite. Là, je suis obligé de recycler mes dragons, de tornade instant tout ça, histoire que ça meure sur le golem et de pouvoir faire un peu de value avec mon dragon. Ce qui a réussi à passer, et à partir du moment où j'ai réussi à passer ça, je sais qu'il faut que je bourre, mais en même temps, je sais qu'il a la roquette. Là, je vois qu'il met son bourreau, donc je force. Vous avez vu, la MG, on la pose instantanément quand tu vois qu'il a posé le bourreau. Le but, c'est d'aller prendre la tour là-dessus et de recycler également la foudre s'il y a besoin, mais dans tous les cas. L'AMG est fini, on a également remis la foudre et ça s'est super bien passé. Pourtant, le match-up était très 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 dur. Franchement, bourreau cochon en golem, c'est infâme. Et un dernier match-up qui est pareil, extrêmement dur et extrêmement compliqué, c'est le Hog 2.6.
Donc notre ami à tous, le 2.6. Là, il recycle ses mains, il fait ba-ba-ba-ba-ba avec sa main de départ, ok, très bien. Non, on a la tornade en main de départ cette fois-ci, donc c'est bien. C'est-à-dire que si on voit un cochon, ce sera bien. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il envoie un golem de glace, cochon. Bon, là, on voit le golem de glace cache, on le sait. Hein. Vous avez vu, on pose l'AMG avant même qu'il pose le cochon. Là, le golem de glace est plus long, on va pouvoir tornade le cochon. La défense est relativement clean. On se dit, ok, le début est correct, c'est ce qu'il fallait faire, on active le roi, il décide de gérer notre MG, il reclaque de l'élixir, il recycle son deck, il recycle encore une bûche, donc du coup on recycle un Beragon, on sait qu'il va vouloir repartir à droite, donc on renvoie cash le bûcheron dès qu'on voit le golem de glace, des fois il pourrait nous brain, mais là en l'occurrence on était sûr qu'il allait refaire ça, le petit squelette qui défend pas trop mal, mais on prend quand même super cher sur le bâtiment, le match-up en x1, c'est... le pire match-up possible, hein. Il est horrible ce match-up. Regardez ça, hein. On a juste réussi à gratter quelques dragons du dragon parce qu'il a décidé de les accepter. Mais c'est la grosse galère. Ce match-up, enfin, il est horrible. Il est simplement horrible. Donc là, il nous recaille avec ça, il recaille avec le boom de glace. On a 4 d'élixir d'avance. On se dit, bon, bah, on va juste recycler une MG parce que je peux pas partir en golem, sinon il va me mettre un gros push. Il part à gauche en cochon, on s'en doutait un petit peu aussi. On se dit, bon, ok, c'est pas très grave, on va redéfendre avec le dragon. Du coup, on se prend aucun coup, c'est pas très grave, on a cru qu'il y a la tornade. Problème, c'est cette mousquetaire, hein. Regardez la value que ça fait la mousquetaire. Ça tue le bébé dragon, ça tue la MG, ça tue toutes nos unités. Simplement, chez lui, il peut recade comme il veut. Là, il décide de mettre un golem de glace, etc. Alors là, j'ai mis bûcheron en plus, mais j'aurais pas dû, je pense. J'aurais juste dû attendre et mettre mon bûcheron sur la tête de la mousquetaire. Je perds pas mal d'élixir là-dessus. Là, je sais qu'il doit reclaquer l'élex pour mon prince ténébreux. Donc je me dis, ok, au moins là, on est pas trop mal, on est pas trop mal en élex. Mais il a quand même récupéré son cochon, on est en x2, donc je vais encore attendre un peu qu'il envoie son cochon avant de partir cash en golem. J'aurais pu partir en golem, mais je me suis dit que c'était moins wise que de recycler simplement sur la lane où je pense qu'il y a plus de chances d'avoir le cochon et je veux le forcer à mettre à gauche. Ce qui marche bien, il part à gauche, donc à partir de là, on redéfend avec le bûcheron, etc. Et on peut gérer ça. Cependant, vous avez vu, le temps qu'on fait ça, au final, il a déjà récupéré son hog de nouveau, donc on peut pas vraiment partir en golem. En plus, il a une mousquetaire à droite, etc. Donc on est obligé de recycler un prince ténébreux, ce qui est vraiment c'est de réussir à choper les timings pour golem ici sur ce matchup et clairement c'est pas si facile que ça. Là il renvoie un cochon, donc là on gère avec la MG, etc. À partir où sa mousquetaire tombe, là on sait qu'on peut golem à droite. Là c'est un bon timing, on sait qu'on est serein de golem là dessus il va aller sur la même ligne que la mousquetaire, lui il va devoir renvoyer un cochon à gauche, mais c'est pas forcément ce qui va nous déranger. On a juste à mettre un bûcheron, ça va forcer un contre-push derrière. On a mis quand même quelques dégâts à gauche, c'est correct. On va chercher la tête de la mousquetaire le plus rapidement possible avec notre prince ténébreux. Là, on fait une petite foudre pour mettre quelques dégâts et surtout aller chercher la mousquetaire. À partir de là, ça commence à devenir un peu plus sympa. On va défendre juste avec les squelettes histoire de faire un maximum de value. Même si on sait que du coup, on va se prendre quelques dégâts, on se prend qu'un seul coup de cochon. On reforce à droite. On essaie de remettre la Valkyrie contre le bâtiment, ce qui nous permet, la mousquetaire, pardon, contre le bâtiment, ce qui nous permet de bien la tuer. Et là, on a le bûcheron qui est lock sur la tour. On a le bébé dragon qui est lock dessus. Et à partir de ce moment-là, on se met extrêmement bien. Mais le x1, il n'est pas évident à tenir. Vous avez vu, trouver les timings golem sans perdre la tour, c'est vraiment pas facile, pas facile. Du coup, il nous reste maintenant à aller faire les 10 minutes qui restaient. Donc on était à 6020 au début du rush. On est reparti, donc on a deux decks. Hein. Pour rappel, on a celui-là ou on a celui-là. Donc au choix, on va reprendre la version foudre. Et si on voit qu'au final, l'autre version est mieux, ben on partira sur l'autre. Mais voilà, on va voir un petit peu ça tout de suite, ensemble, en rush, rush ladder tout simplement. Alors là, s'il envoie un cochon par exemple, il va falloir recycler un bébé dragon ou un prince ténébreux et partir en tornade. Parce qu'on a la tornade en 5. Sinon, on a le golem, le bûcheron, le... Honnêtement, je vais golem. Sur la tête du sorcier. J'avais pas trop envie de lui donner un... Enfin, par exemple, ici, je mets un prince ténébreux. Du coup, déjà, un, je l'ai plus. Donc c'est un peu embêtant quand même. Ok, ça c'est pas mal par contre. J'espère que ça suffira. Ouais, ça va suffire. Ok. Ouh. Ok, lui aussi. Ça, lui, il va mourir. Le bûcheron, il va aller chercher la mousquetaire. Il va devoir remettre pas mal d'élex pour aller gérer tout ça. Je sais pas ce qu'il a décidé de faire. Je vais quand même remettre une MG au cas où. Ah, il va faire pas mal de dégâts. Parce que là, elle va reprendre le focus. Non, c'est bon, c'est les golemites. Oh, les dégâts combien? Oulala. Oulala. Ah oui, ah d'accord. Et on tombe même le bomber. Oh, mais ce début de partie. Ok. Que demande le peuple, hein. Mais que demande le peuple simplement.
Très bien. Donc il a du géant squelette, hein. C'est un match vraiment pas facile, pareil, un géant squelette c'est toujours chaud en golem, hein. Vous pouvez pas mettre trop d'unités derrière, faut faire super gaffe à sa bombe, etc. Enfin, je pense que vous connaissez un peu l'histoire. Heureusement on a la foudre pour le sorcier, ça c'est déjà un peu plus sympa. Ok. Si rejet en squelette, il se prend un prince ébreu. Oh, il va se prendre un prince ébreu quoi qu'il arrive. Ok, il nous met un coup ici. Ça va, un coup ça va. Parce que là, il va devoir redef s'il veut pas se prendre trop de dégâts. Sinon, il va se prendre dans les 800 environ. Un peu plus que ce qu'il nous a mis. Voilà, il est obligé de mettre une pluie de flèche. Ce qui lui coûte quand même assez cher en Elex. Donc, il a récupéré son géant squelette. Ce qui ne nous dérange pas trop pour l'instant. Je vais attendre de voir ce qu'il fait. Pareil, je suis pas trop mal en Elex, mais j'ai pas envie de spécialement lui donner une opportunité de faire un truc intéressant. Donc, je vais juste attendre. Ok. Je fais ça pour que mon bûcheron il soit pas non plus collé. Comme ça, je me prends pas de dégâts et en même temps, je me prends pas la OE non plus, hein, du petit bomber. Là, c'est possible qu'il envoie son géant squelette. Donc, du coup, nous on va faire une foudre plus ou moins value. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le sorcier, on va mettre des bons dégâts sur la tour. Et surtout, derrière, on peut redéfendre à l'MG. Le but, c'est vraiment de défendre. Donc, on va juste à faire ça. 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 Et voilà, là normalement ça défend bien, on a toujours notre prince Ténébreux full vie. Ils veulent voir partir à droite, du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre tout le monde en tornade. Il nous met un coup de bomber, c'est pas dramatique hein, clairement. Il reste 14 secondes, il faut qu'il recycle son cochon, faut qu'il récupère les legs également. Là qu'il envoie les barbares d'élite ou n'importe quoi en 8 secondes, ça suffira pas. Principalement grâce au début de partie, en plus on était un peu lucky hein, je pense, on a eu un peu de chance sur le début de partie. Bon ça fait super plaisir, let's go les amis. Ah, il y a Toutou. Vous pouvez voir un peu Toutou derrière. Ah, bébé, tu dis bonjour, toi. Allez, allez, saute. Oui, dis bonjour. Non, ok, bah, tant pis, on est relancé, saute pas, saute pas. Arrête, abort mission. Alors, meet the king, meet the king. 6259, oulala, donc on commence à être gros entre les mecs qui sont... Oh, oh. Alors, on a la MG, le bédodragon, le bûcheron, donc là, on a ni la tornade ni rien. Ouf, honnêtement, ouais, je suis pas serein avec cette main de départ, hein. Des mains de départ, ça change beaucoup de choses en golem, parce que c'est très très long de recycler la main de départ. On va voir, écoutez, on va voir. Dans tous les cas, j'ai pas spécialement envie de lui donner un bûcheron. J'ai pas trop envie de lui donner l'AMG non plus, parce que si je jouais... En fait, n'importe quelle carte que je vais utiliser, il y aura une carte en face qui pourra m'embêter s'il la joue. Et en même temps, si je la recycle pas, ça ira pas. Je vais vous expliquer. Par exemple, si je recycle MG et qu'il joue ballon, c'est galère. Si je recycle pas MG et qu'il joue golem, c'est galère. Si je recycle bûcheron et qu'il part sur un push battle ram, c'est galère. En même temps, si je recycle pas, s'il joue un beatdown, ça va être compliqué aussi. En plus, vu qu'il joue pas, il joue sûrement un beatdown, donc là, je suis obligé de commencer à recycler et d'aller chercher mon golem. Donc on va chercher le golem, tranquillement. Là, on va def au bûcheron. J'attends de voir ce qu'il fait, hein. Pour l'instant, juste un chevalier. Esprit de glace, ok. Ça peut être un Arkix. Bouddhiste, ok. Cimetière, du coup. Sûrement cimetière. Ok. Là, je sais pas trop quoi faire, honnêtement. J'ai pas trop envie de recycler. Je vais recycler un prince ténébreux quand même, mais sans trop de conviction. Ok, donc là, par contre, je vais pouvoir mettre une bonne MG. On va laisser le temps au prince ténébreux de réussir à avancer. La MG va malheureusement tomber. Donc là, il va évidemment pouvoir gérer notre prince ténébreux. Derrière, on va devoir recycler sur notre bûcheron. Il peut balancer un cimetière ici. Je sais pas s'il va le faire, mais il peut. Moi, je prends le temps. Ok. Allez, golem. C'est parti. Donc, il a bouliste. Là, il peut nous envoyer un cimetière. S'il nous envoie un cimetière, je pense que le mieux, ça sera de mettre un prince ténébreux dedans. Sûrement, sûrement. Mais là, je vais quand même devoir le mettre haut, je pense. Ah, on aurait une belle foudre à faire là par contre, hein. Regardez ça. Oh là là, la value de la foudre, la value monstrueuse de la foudre.
Allez, on renforce. Là, on fait le bûcheron pour avoir la rage, hein, simplement. On essaie de spam un petit peu nos troupes, histoire de lui mettre de la pression, parce que là, on a quand même beaucoup sur le terrain, même si mine Tornade. Alors que Tornade, c'est quand même fort hein, contre notre deck. Bah, au final, ça suffit pas forcément. On va pouvoir remettre également un prince ténébreux. Regardez comme on a découpé le sorcier électrique. Là, il a plus d'élex, hein, il est à nu. Donc, on recycle les squelettes, histoire de remettre un bûcheron le plus rapidement possible. On essaie de passer, mais c'est dur. Hein. Vous avez vu son deck, il tank à mort. Là, ça va aller s'écraser un peu sur le boulist, mais heureusement, on a le B-Dragon qui a réussi à connecter un peu. Le bûcheron! Oh, le bûcheron! Et on joue fou hein, pour rappel. Et ben voilà. Je l'adore, ça se passe bien. Ça se passe très bien, l'adore. Bon bah écoutez, très bien, très bien. Que demander le plus? Que demande le peuple? Ce qui nous fait au final combien? Ça fait 6269 trophées. Ce qui nous fait... Donc on va stopper la vidéo là-dessus. Au final, ça nous fait 10 victoires d'affilée. C'est hallucinant, franchement, je m'attendais pas à faire 10 victoires d'affilée avec cette version-là en Golem. Ce qui nous fait également... Bah, 270 trophées, vous en avez rendu compte, 270 trophées en 30 minutes de jeu. C'est n'importe quoi, mais c'est énorme. Honnêtement, faire un full win, je m'attendais vraiment pas. Alors, effectivement, on n'est pas encore super haut. Hein. En ladder, là, on était à 6000, justement, on était assez bas parce qu'on n'est pas joué depuis la dernière fois, on a fait 10 dessus. Mais ça fait quand même super plaisir de voir que, voilà, on joue un peu, là, on fait 10 parties, 10 victoires, ça monte super bien. Alors, bon, le ladder, vous savez, hein, des fois ça monte et des fois ça descend. Mais quand même, ça me fait très plaisir. Donc, on se va se retrouver évidemment sur d'autres vidéos du ladder avant le reset de saison. Promis. Avant le reset de saison, on se refait d'autres vidéos ladder. PK. Je pense que je vais garder, je vais essayer de monter un peu tous les archétypes, donc ça sera pas trop mal. La pompe également, allez, on va garder ça tranquillement. On se refait 530 d'or, donc ça monte pas mal. Je fais aussi pas mal de super défis à côté pour un peu monter le compte, hein, je vous l'ai dit, pour pouvoir avoir différents archétypes. Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Désolé pour le souci, j'aurais bien aimé que tout soit record. Vraiment, j'étais super triste de voir que bah, mon rush était pas passé en audio. Enfin, le rush, le montage, quoi. Enfin, en tout cas, la vidéo n'était pas passée en audio, c'était un peu... J'ai un peu chagrin, mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très vite. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous appréciez et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, évidemment. Prenez soin de vous.